Du coup, on a 100 000 balles. Je pense acheter un apothicaire. Hein. Par contre, ici, on va faire un petit level up. On va partir sur du tacle, hein, je pense. De toute façon, c'est tacle ou arracher le ballon. Et je pense que tacle servira plus souvent. Hop là. Voilà. Et ben, on a déjà un Wardancer qui est prêt. Et bienvenue pour le deuxième match de ces elfes sylvains. C'est contre, et ben, de nouveau, des morts-vivants. Kaamelott Hold Glories de Ryo Janson. Il est en 8 matchs. 4-1-3. 2 momies sans compétences. 2 spectres sans compétences. Une... Ah, c'est coureuse des... coureuse ghoul, d'accord. Ouais, enfin, 2 ghouls, quoi. Une bloc et prise sûre. Zombie avec frénésie, ça sent le skill aléatoire. Ouais, 40 000, 50 000, ok. 11 joueurs. Et j'ai la TV la plus élevée. Ah oui, tiens, c'est... Ouais, ça monte vite, hein, les elfes. Ah non, mais il a que 10, d'accord, donc ça va. Putain, on gagne le toss pour la deuxième fois consécutive. Ça n'était jamais arrivé sur toute une saison, la saison dernière. Là, je sens que cette saison, c'est pour nous. Bon, ça met de la momie sur la losse, donc on va sortir le gros, hein, sur la losse. Nous aussi, on va mettre l'arbre ici. On va porter le ballon toujours avec le receveur. Toi, on va te mettre... est-ce qu'il y a moyen de faire 3, 4, 5, 6 ? Oh, il y a tout à fait moyen. Hein. On va faire ça, ça. Toi, on va te mettre ici. Toi, ici. Et puis ensuite, on va essayer de se bricoler une petite défense. Voilà, rien de trop prétentieux, mais suffisant. Et fan en folie. Jusqu'à la fin de la prochaine phase de jeu, chacun de vos joueurs qui cause une élimination en poussant un adversaire dans la foule gagne 2 SPP. Oh oui ? Attends, ça c'est pour moi, ça ? Oh putain, oh, fallait pas me le dire, ça. Oh là là, oh, je vous le dis, là, on s'en fout, là, le but, c'est surfer des gens, là. Sauf que... Oui, non, on commence par ça, là. On commence par ça, mais avant, on n'oublie pas les basiques. Tu peux atteindre la balle, toi ? Bon, il n'y a personne qui peut atteindre la balle. Mais dans le doute, on va quand même mettre un bonhomme ici, quoi. Voilà, histoire de faire semblant. Voilà, hop là. Allez, ça, ça tombe. On reste sur place. Bon, c'est pas tombé, mais enfin, l'armure n'est pas passée, mais bon. Ok, reste sur place. Toi, tu vas venir ici. Même ici. Alors ici, comme ça, tu vas protéger l'arbre un peu. Toi, tu vas venir là, histoire de protéger. Et puis c'est parti pour la folle aventure. Oui. Ah oui, oh oui, on poursuit. On poursuit. Allez, bim. Eh non, presque. Hein. Presque. Est-ce que... Ouais, je pense que ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Et on n'a pas blitzé, en fait. Donc, on va faire ça, plutôt. Toi, on va te rapprocher de... Ici. Ouais. Et toi, tu vas blitzer. Est-ce que je blitz ou est-ce que je ramasse? Non, le blitz, c'est moins risqué en termes de turnover que le ramassage. Ok, restons sur place. Et venons... Venons ici. Oui, faisons ça. Allez, et puis toi tu vas pick-up, et là par contre c'est terrible, si on rate le pick-up, ça pourrait nous consommer notre seule relance, mais non, nous ne ratons pas. Ici ? Est-ce que c'était la meilleure décision ? C'était la meilleure décision, fin du tour, on a gaspillé quelques secondes sur notre time bank, mais en réalité c'est ok. Bon, on a mis les deux momies au sol. Prochain tour, celle-là va se relever, j'imagine que lui va prendre un blitz. Ah non, c'est ici le blitz. Le blitz sans bloc. Je comprends. Et ça paye pas très bien. Et ici, est-ce qu'il va prendre le risque de relever sa momie? On ne sait pas. Il prend le risque. Est-ce que c'est pas la momie qu'on va emmener case par case hors du terrain avec l'arbre là? Ça me plaît, ça, comme idée, ça. 1, 2, 3, 4, il nous faut 5 tours. 5 tours et l'arbre il prend 2 SPP. Si ça se fait. Je pense que c'est devenu le plan là. Sachant qu'en plus on a stabilité. Bon, ce qu'il y a, c'est que s'il me couche une fois, ça va être chiant après, mais. Mais bon. C'est quand même tentant. At Massive Bifford fan on Twerper has just sent you a rather intimate message, Bob. Would you like to take a look? Ok, ça ramène du monde au centre. Allez, c'est à nous. Donc ça va être un bloc. Le blitz, ça va pas être la momie.
1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être ici, le Blitz. Même si on a envie de faire des choses de ce côté-là aussi. Hein. On a envie de ouais, que toi, tu viennes ici, par exemple. Que toi... Ah, sinon, toi, tu peux venir ici. Hein. Ça, ça fait double emploi pour protéger l'arbre. Je pourrais blitzer lui à 2D. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Hein. Je reste sur place. Ok. Je reste sur place tout à fait. Oh, petit chaos. Petit chaos, petit chaos. Et maintenant qu'on en est là, eh ben... Toi, tu viens ici. Toi, tu viens là. Ouais, ça, ça me paraît bien, ça. Et est-ce qu'on fait le bloc ici ou le bloc là? Bloc ici. Deux au sol, on préfère quoi? Que ce soit ici ou là? Non, on préfère que ce soit ici, le deux au sol. Oh. Allez, on le rapproche du parking petit à petit. Hop là! Petite châtaigne qui fait son effet. Petit sonnet, petit sonnet. Toi. Toi, bah tu vas... Ah, il a des... Il a... Oui, 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 oui. Ouais, j'avais pas vu ça, là. J'avais pas vu ça. C'est ici que je vais faire le bloc, là. Il a frénésie, lui, là. Donc, Oh, il va pas le dodge. Bon, au moins, il est marqué. Bon, au moins, il est marqué. La balle est protégée. Plus ou moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI. Ouais, double GFI, il peut blitzer la balle, mais bon. Je pense que si c'était passé, j'aurais fait ce bloc-là et ensuite j'aurais dodge ici. Ici. Et... Ah mais non, mais il peut me le surfer, là. Ouais, non, j'ai été con. J'ai été complètement con. Putain, ouais, non, je suis 100% con, là. 100% con. J'aurais dû clairement faire le bloc ici. Mais bon, ça aurait fait deux crânes, donc c'était pareil. Et là, ça a blitz ce goût. Non, mais ouais, ça c'est mérité, ça. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Et c'est parti. C'est parti le blitz ce goût into surf. Est-ce que l'apothicaire va être utilisé dès le tour 2? Eh ben... Oh oui, blessure sérieuse, hein, blessure sérieuse, ça y est, ça reprend. Bon, on va utiliser l'apothicaire, oui. Voilà. Donc une blessure, très bien. L'apothicaire a servi. Tac, tac, tac. Oh. Oh, si je suis joueur, là, au prochain tour, là, et qu'il laisse sa goule là, 1, 2, GFI Blitz, je colle sa goule à la ligne. Et je me venge. Là, il va pouvoir 2 Deloire Dancer. On va espérer qu'il ne roule pas de peau, parce que maintenant, on n'a plus d'apothicaire. Parce qu'on rigole, on rigole, mais bon, il y a quand même un match à gagner ici. Et par chance, le War Dancer qui reste, c'est celui qui a tackle. Ah là, il y a un petit Frenzy Trap, là. Oh, petite relance qui saute. Petite relance. Ah oui, alors il accepte la châtaigne. Non, il relance. Il relance double peau. On préfère ça ici que sur le War Dancer, évidemment. Est-ce que tu vas survivre? Eh ben non, deuxième blessure. Hein. Quand même en deux tours. À tout moment, ça peut mal tourner ce match. Hein. Le petit double 6 là. 3-6-6-6. On le pose sur le War Dancer, aucune dignité. Bon. On va essayer de se reconcentrer parce que ce serait dommage de perdre bêtement ce match. Allez, 4-1, ça fait 5. Très bon matin ici. Et le Frenzy Trap qui n'opérera pas. Oh oui, non mais oui, toujours plus, ouais. Donc là, en gros, sur ce tour-ci, il nous a fait 3 blessures quand même. Hein. Bon. On va pas râler parce que c'est pas le genre de la maison, mais... Bon, c'est tout à fait le genre de la maison, mais... Est-ce que... Je pense que ça, c'est bien. Double push. Double push vient ici, reste sur place. Ok, donc là, on aura un bloc. Ah, ou alors je le fais ici.
Non, ça n'a pas trop d'intérêt de le faire là, peut-être plutôt ici. Lui, lui va venir protéger le ballon, je pense. Même si on a envie de le faire venir là, quand même. Lui pourrait dodge. Parce que, en gros, lui vient là, lui vient là. Non, faut que je fasse le bloc ici, là. Histoire de voir ce que ça donne. Ok, ça roule un pot, très bien. Restons sur place. Petit KO, ça équilibre un petit peu. J'ai envie de venir là. Hein. S'il prend pas racine, c'est exceptionnel. Très bien. Et en vrai, si toi tu viens là... Toi tu peux venir là ensuite. Ici. Ouais, ça je pense que c'est bien ça. Lui il est trop loin, lui il pourrait dodge. Et toi... Toi dodge ou toi dodge? Ouais, toi dodge je pense. Genre ici. Ouais, ça c'est pas mal ça. Comme ça même si ça échoue, ça bloque la route. Très bien. Et lui... Non, lui, il va rester là parce qu'il bloque une case de support. Et puis là, le 1D. Et si ça échoue, tant pis. Ça échoue. Parce qu'on va avoir un mort. Pas de mort. Pas de mort, pas de mort. Bon, moins 2 contre moins 3. Mais on a perdu un War Dancer. Bon, lui, il a perdu un Spectre. La momie va être ici, j'imagine que... 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3 dans le meilleur des cas. Elle est là, ça va blitzer ici à 3D, peut-être. Ici, il va être obligé de dodge avec sa ghoul, donc ça peut échouer. Et s'il nous fait une petite protection là en double rideau, je pense qu'on ira essayer de la blitzer pour coller un joueur à la ligne. Et essayer de choper des SPP en surfant. Ça peut être bien, ça. Ouais, elle blitz à 3D ici avec Châtaigne. Et ça passe. Bon, faut juste espérer qu'il n'y ait pas de mort, parce que ça lui ferait des joueurs en plus. Ouais, mais par contre, ça c'est indécent, ça. Tour 3, 4 blessures. Bon, même si lui, l'apothicaire a fonctionné. À un moment donné, ça va devenir compliqué. Ok. Il y a des petits GFI, là. Bon, il veut m'enfermer sur ce côté-là. Ouais, j'imagine que la ghoul, il va dodge, il va la mettre là. Là, ils ont bougé, ouais, donc... Bon, l'inconvénient, c'est qu'on pourra plus surfer la momie. Ok, ah oui, dodge, il vient juste là. Ouais, c'est ça. Dodge est venir ici. Ok. Ok, ok. On va pas forcer le passage, je pense. On va plutôt... Qui on pourrait blitzer, là? Ce qu'il y a, c'est que ce qui me rendrait le plus service, c'est de tomber la momie ici. Sauf que si ça échoue, je suis dans la sauce. Parce que du coup, si je tombe la momie, ça me libère l'accès à ici et je peux le blitzer. À la limite, je vais relever lui. Je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque de commencer par ça. Et si ça échoue, eh ben bien joué à lui. Putain, j'ai failli cliquer là. Et ben ça échoue. Ça échoue, ça échoue... On va poursuivre. 3, 4, 5. On peut 1D avec lui. Mais on n'a pas vraiment envie de faire ça. Oh, j'ai envie de tenter le 1D blitz sur la ghoul, mais c'est pas bien ça. J'ai une relance, donc à la limite je peux l'utiliser pour dodge avec lui et protéger la balle. Et mettre genre ici. Ok, ça passe. Donc là on est un peu mieux déjà. On peut envisager de faire un blitz 1D ici. Ok, un push. C'est pas si gênant. On reste sur place.
Et on vient se repositionner ici. Ou ici. Non, ici, c'est bien. Ouais, faisons ça. On va temporiser un tour et puis on verra. Il va avoir un bloc avec châtaigne, je pense, sur le joueur qui est là. Ou alors il tente le blitz ici et bloque sur l'arbre. Mais pour bloquer l'arbre... Oui, s'il tombe le joueur ici, il peut bloquer l'arbre ensuite avec la momie, je pense. Ou alors juste, il se dit, je vais blitzer le Wardancer et rouler un pot. C'est une possibilité aussi. Et prochain tour, parce que je pense qu'il va s'ultra-commit, et notamment avec les deux zombies qui sont là. Et prochain tour, on essaiera de contourner si on peut. Et si tout va bien, si c'est commit sur la droite, bah, le 3D qui tombe. Bon, du coup, l'arbre ça sera en place. 1, 2, 3... Ah, il va peut-être essayer de blitzer avec l'autre momie. Pas de blessure, c'est incroyable. Ouais, donc s'il blitz avec l'autre momie... Ah non, mais il va blitzer le Wardancer, je pense. Avec un GFI. Ça veut dire qu'il aura ses deux momies ici. Si en plus il ramène ses zombies, derrière, on va pouvoir contourner assez facilement. Et il faudrait qu'on arrive à attraper cette ghoul-là. Cette ghoul ou celle-là. Parce que probablement que la ghoul qui est ici, c'est son meilleur joueur pour défendre ensuite. Mais oui, là, clairement, je pense que ça va être Blitz Momi sur Wardancer avec un GFI. Espérer rouler un pot pour le tuer. C'est parti. Ah, ça utilise une relance. Pas de pot. Pas de pot, ça tient. Ah non, il Blitz ici, d'accord. Ouais, ok. Ouais, il voulait peut-être pas être au contact de l'arbre. D'accord, d'accord. Ouais, à la limite, j'aurais préféré qu'il blitz le Wardancer, du coup. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ok, donc il vient là. Ouais, si j'arrive à ouvrir ici, ça passe. Ou sinon, il faut que j'ouvre le côté, quoi. Oh, si je tente ça en premier, c'est c'est honteux. Hein. On a quoi là? On a de la momie. J'ai envie de tenter ça. Hein. Sinon, c'est Blitz à 2D avec lui. Ou alors lui là, Dodge, Blitz à 2D. Non, je pense que le mieux c'est risqué, mais c'est ça. Hein. Ça passe. On le met ici et on reste sur place surtout. Oh, une mort. Une mort, une mort. Deux petits SPP pour le... Pour le... Pour lui, là. Un, deux, trois. Comme ça. Oh, ça, c'est pas mal, ça. C'est ballsy, mais on aime. Hein. Ah oui, non, c'est très ballsy, mais on aime, ça. Toi, on te relève. Toi, tu blitz celui. Et lui, ensuite, il viendra finir la protection en bas. On roule un pot, ça, c'est très bien, ça. Poursuit. Ok. Est-ce que je fais une case de plus, je pense. Hein. Quoique... Non, ici c'est bien. Ici c'est bien. Bon, il a moyen de blitzer là-bas, là, en contournant. En passant par ici, même sans GFI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est avec un GFI. Mais derrière, pour recover, c'est compliqué, voire impossible. Et l'avantage, c'est que Momi hors de position, Momi marqué hors de position... S'il veut bloquer l'arbre, il va être obligé de mettre au moins deux supports. Donc ça fait deux joueurs en moins. Et prochain tour, on pourra avancer. Ah, ou peut-être juste... Ah oui, non, je pense que juste il marque. Ah, je sais pas s'il va tenter le dodge blitz à 2D.
Non, il fait le bloc. Ok. Ça tient. Mine de rien, on l'a mis à moins 3, donc on a sous réserve du retour du... Enfin, quand le War Dancer sera revenu au prochain machin, à la prochaine mi-temps, on sera de nouveau à égalité. Donc ça, ça fait plutôt plaisir. Parce que comme pour le match numéro 1 de l'équipe, eux, ils sont beaucoup plus pénalisés, notamment sur leur attaque, de leur infériorité numérique que nous. Du fait de leur manque de mouvement. Ok, non, donc ça blitz avec la ghoul, ça blitz le War Dancer. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Et probablement que la cible du coup du prochain tour, ce sera justement cette ghoul. Ouais. Je pense que clairement, ça va être la ghoul la cible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y a lui qui peut être un peu chiant. Globalement, la balle sera ici. Je pense que ça c'est le mieux. Et ensuite il va falloir réussir une autre esquive. Ok. J'aurais dû prendre deux au sol, je pense. Ouais, j'aurais dû prendre deux au sol. Et là il faut réussir cette esquive. Toi, ici ou toi ici? Toi ici au cas où, je pense. Ouais, toi ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, GFI, GFI. Ouais, ça c'est possible. Toi ici. Je vais faire l'arbre et si ça passe, j'irai marquer les deux là-bas. Là. Dommage. Oh. Dommage. Bon, il peut blitzer la balle avec lui. C'est vrai qu'en faisant ça, il a un 4+, 3+ avec sa goule. J'aurais dû mettre ici. Ouais, j'aurais clairement dû le mettre ici, ouais. Bon, tant pis. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, GFI, GFI. Avec 2 GFI, peut mettre 2 dés sur la balle. Mais elle est un peu loin, quoique, s'il fait ça, qu'il pousse là, ça tombe là, soit non, il peut... il peut. Il peut, il peut. Et il nous restera 2 tours ensuite. 3 tours. Ouais. D'ailleurs c'est bizarre, pourquoi ça nous met 6? Ouais, bon, il y a des affichages que je comprends pas, mais ok. Ok, donc non, ça blitz ici. Ça roule un pot. Je suis content qu'il ait pas blitzé le War Dancer là d'un coup. Bon, je vais être moins content si... Enfin si, je serais content aussi, mais... Putain. Ouais, par contre ça c'est insane ça. Il n'y a pas de KO là, c'est que des blessures. 1, 2, 3, 4, 5 blessures en 6 tours. La fin de match va être compliquée, parce que là, même pour défendre, 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5 joueurs, là, tout simplement. Donc, il y a l'arbre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, je vais pas compter. Ouais, je vais pas compter autant pour moi. Et la question c'est, est-ce que je marque? Lui peut venir jusque là, ok. Non, je pense que je vais essayer de tamponner un tour de plus. Hein. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, non, je vais être obligé d'aller marquer, je pense. Lui, là. 4, 5, 6, 7. Peut venir jusque-là. 1, 2, 3, 4.
C'est 8, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Toi, tu peux être là. Et toi, tu peux être genre là. Ça me paraît être un plan intéressant. 3, 4, 5, 6, 7. Donc toi, tu viens là. Non, ici. Eh ben dommage, double 1. Double 1, double 1. Et passage d'armure en plus. Bon, l'avantage c'est que cette goule est marquée, mais celle-là ne l'est pas, donc Oh, puis ça roule un pot en plus. Bon. À deux doigts de dire que le match ne se présente pas comme on aurait pu l'espérer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tant pis. Parce que du coup, si j'avais réussi à le mettre là, ils auraient pas pu passer là. Et je pense que contourner par ici, c'était trop compliqué. Et lui, derrière, je faisais dodge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et peut-être tenter un GFI ou deux, histoire de renforcer là. Mais sinon, venir dans cette zone pour couper complètement. Et puis temporiser un tour de plus. Bon, après, il peut rater le ramassage, hein, même avec dextérité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il va plutôt venir par ici, j'imagine. Ouais. Mal engagé. Et ce qui m'embête, c'est que... Bon, après lui, il a trois sorties aussi, mais... Mais nous, on en a quelques-unes aussi, quoi. Oh, petite relance qui saute, là, la dernière. Oh, mais ça, c'est mal joué, ça. Il a un bloqueur qui est juste là. Il préfère blitzer sans bloc. Pour libérer une goule qui, au final, ne sert pas tant que ça. Ah oui, il veut lui transmettre. Pour l'envoyer là. Bah oui, mais en plus, il a... Ouais, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI, GFI, ok. Bon, il aura deux GFI à faire sans relance. Une transmission ou une passe, probablement une passe. Ok, ça fonctionne. Est-ce qu'il va... Ah, il va le tenter dès maintenant, là? Non, il ne le tente pas. Ok, bon, j'ai une relance. Lui, il peut marquer. 1, 2, 3... lui, je vais le relever. Ok. Lui, il peut blitz. Le seul qui peut marquer, c'est lui, on va dire. Donc, si je fais ça, c'est dead. Là, c'est du 3 plus 2 plus. Sinon, il faut que je blitz à 1 dé. Parce qu'en plus, je vais blitzer, la balle va être là. Donc, en gros, ça peut être lui qui pick up. Enfin, ça peut être que lui qui pick up. Donc, lui... 3 plus 2 plus 2 plus. Oh bah ça commence bien. Double 1. Double 1, double 1. Bon, tant pis. Ouais, ensuite c'était 3 plus, 3 plus 2 plus. Blitz à 2D. Je le pousse... Je le pousse ici en espérant un rebond favorable. Lui ramasse, essaye de faire une passe à lui qui... Bon, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Ah, il a pas peur des doubles crânes, lui. Bon, après, c'est vrai qu'il a pas mal de jeux à faire. Bon, le seul avantage, c'est qu'il aura qu'une phase de réveil. Donc, faut espérer que ses KO ne reviennent pas. Et s'il est réellement à moins 3 en deuxième mi-temps, il sera que, entre guillemets, à plus 1 par rapport à nous. Si, bien sûr, il score pas ici. Ça reste jouable. Et là, du coup, c'est du 3 plus, 2 plus, 2 plus avec pas de relance. Ah, il a pas vu que j'avais pas de tour. Bon, on va espérer qu'il rate. Hein.
transmission. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, bah, 2 plus 2 plus, sans relance. Il y a 3 machins qui apparaissent, donc... Ça veut dire que c'est... Ah ouais, non, d'accord. Je veux dire que ça veut dire que c'est une réussite, mais non. Le petit 1 sur le dernier GFI, en plus, le plus horrible. Et du coup, ces KO ne reviennent pas. Donc... Il est à moins 3, on est à moins 4. Ma meilleure chance, c'est de ne pas subir trop de dégâts sur la Los. Donc, on va mettre l'arbre. Et en vrai, j'hésite même à mettre les Wardancers pour tanker, mais bon. On n'est pas convaincu, quoi. On n'est pas convaincu. Du coup, ça va être Wardancer, Wardancer. Et puis... ouais, non, sinon comme ça, en fait. Hop, hop, hop. Et lui, je le protège parce qu'il attaque et qu'on l'aime bien. Je pense. Fin du tour. Bon, ben... Là, notre meilleure chance, c'est ça. C'est sur la Los. Il nous sort pas de joueurs. Je sais pas s'il va mettre des joueurs réellement sur l'arbre, s'il va mettre une momie. Ou s'il va tenter juste les blocs là. Et derrière, compter sur le fait que... Bah, il est quand même à moins 3 pour une équipe pas très mobile. Et que nous, on arrive... si on n'a pas de sortie à gérer ça. Ouais, ok, il met ces deux momies là. Tac. Et ensuite, j'imagine qu'il va blitzer le Wardancer. Oh, un petit blitz là. Oh. Solide défense, ça me va. Ça me va, ça me va. Il faut protéger le Wardancer. Bon, de toute façon, je vais tous les sélectionner. Hein. Et puis le mettre ici. Est-ce que je mets... Ouais, je vais faire ça, je pense. Je mets tacle sur sa goule. Lui, je le mets là. De toute façon, c'est lui, il va prendre un bloc châtaigne, c'est sûr. Faut que j'évite le deuxième, donc 1, 2, 3... Faut que je le mette ici. Ouais, genre comme ça. Non, comme ça, c'est mieux. Bon, on va trust. Oh, s'il y avait eu un... Le même kick, là, mais avec un blitz, là. Ça aurait été goûtu. Ok, ça protège la balle. C'est ça, en fait, qui va être... l'avantage pour nous. En vrai, la perfect défense... Oh, ça, c'est bien, ça, aussi. Premier bloc sans bloc, là. Il va cramer sa première relance. Notre chance, c'est qu'il va être obligé de mobiliser 5 de ses joueurs pour protéger la balle. Sachant qu'il est déjà à moins 3, quoi. Donc là, faut vraiment que sur cette loss, on arrive à tenir. Et normalement, 1, 2, 3, GFI, GFI, ouais. 1, 2, 3, ouais. On est tranquille, il va pas pouvoir blitzer avec châtaigne. Ou alors... 1, 2, 3, GFI, ici. On aurait aimé qu'il rate le pick-up, hein, mais tant pis. Il va protéger la balle là. Nous, il faudrait qu'on ramène l'arbre dans la zone là. Et puis qu'on tente des choses, quoi. Mais ouais, la perfect défense, ça nous aide quand même. Bon, ça permet de compenser le... la palanquée de blessures qu'il nous a fait, quoi. Ça rate pas beaucoup d'esquives en face, hein. Ok. Ok. L'arbre, on le veut sur la momie, je pense. C'est deux de mouvement, ces machins-là, ouais. Donc on le veut ici. Très bien. 4, 5. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel on blitz cette momie même? Est-ce que ça a un intérêt de faire ça? Non, ça mobiliserait trop de joueurs, je dirais. Toc, 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 toc. Est-ce qu'on bloque celle-là? Parce que faut pas qu'on se commit trop ici, parce que lui, après, il peut tourner.
Il faut qu'on protège quand même un peu l'arbre. Je dirais que... Trois, quatre, cinq. Ouais, on va protéger un peu comme ça. Et en vrai, on va blitzer la momie. En vrai, on va blitzer la momie. Hop là, la pousser ici. Comme ça, ça bloque le repli et se mettre. Oh bah, ou rester. Rester sur place et. Et est-ce que. Non, je vais me le garder libre. Je vais venir ici. Ouais, je pense que ça, c'est bien. Fin de tour. Bon, les deux momies, normalement, sont bloquées. Sauf si rien du tout. Il va pas pouvoir les bloquer, ou sauf s'il fait un dé blitz ici. Donc j'imagine qu'il va plutôt blitzer là et venir ici avec la balle. Et qu'au prochain tour, on pourra mettre la pression sur l'avant de sa cage et le forcer à faire demi-tour. Ok, là ça va blitzer. J'ai hésité à le marquer lui, mais bon, je m'étais dit que c'était trop simple et que... Ok, ça c'est intéressant ça. Parce que du coup, sa cage va être marquée s'il relance pas. Et il reste sur place. Ah, mais il va se mettre ici du coup. Non, ok, il se met là. Ça c'est intéressant ça. Il va en mettre un autre ici, j'imagine. Non, ici. Ok. Oh là, on commence à avoir une idée d'un truc à faire là quand même. Lui ici. Si lui il l'avait mis là, on n'aurait pas pu mettre de. Là on peut mettre un dé facile sur la balle et on peut potentiellement mettre deux dés même. Si je roule un pot ici. Lui, on a bien envie de le garder pour relancer. Pour ramasser, pardon. Je crois que je vais être obligé d'utiliser une relance et de faire ça. Putain. Dommage. Dommage, dommage, la relance est cramée, mais là, j'ai possibilité de mettre 2 dés sur la balle. Ici, et... Je reste sur place. Ok. Et la question, c'est est-ce que c'est risqué de venir là? Je pense que oui. Mais on va le faire quand même. Parce que c'est trop tentant de faire ça. Oh, le double pot. Et en vrai, on sort la balle. Oh, mais ça, c'est parfait, ça. C'est quasiment parfait, même. Est-ce que je fais le bloc, ici? En vrai, c'est ça qu'il y a à faire, hein, c'est tout. Hein. Un 3 plus sans relance, ça passe. Un 2 plus avec relance, et c'est win. Peut pas atteindre. On va faire ça. Ok, ça prend racine. Bon, c'est pas grave. Ça roule un pot. Allez, viens par ici. Et puis on fait ça. Allez. De toute façon, c'était ça ou dodge. Au moins, là, tout le monde est bloqué dans ce coin-là. Et puis, on est très bien pour... Bon, on va se faire surfer un joueur, hein, c'est à peu près sûr. Et c'est encore une fois celui-là. Mais bon, il reste de relance. Est-ce qu'on marque tout de suite? Non, je pense qu'on temporise au moins un tour ou deux. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je peux temporiser deux tours. On va temporiser un tour et marquer après, quoi. Quoique, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai dit. 1, 2, 3, 7. Oui, c'est ça. Là, il va blitz pour surf. Oh, il y va, là? Non, il y va pas. Enfin, il y va pas, il fait pas de GFI, quoi.
Et là, faut juste espérer qu'il ne se blesse pas. Et par contre, ah, j'aimerais bien qu'il utilise aussi quelques relances là, dans l'histoire. Parce que derrière, il y a ces KO qui peuvent revenir. Et si en plus il nous blesse là, il peut se retrouver à plus 4 ou 5 là. Faut pas compter. Petit surf. Enfin, nous, on n'aura pas eu les. On n'aurait eu aucun surf. KO. Bon. C'était le risque. Mais donc sa goule reste ici. Et celle-là, là. Non, celle-là, elle va aller là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI, GFI. Ouais. Si j'arrive à blitzer sa goule. Je suis tranquille. Je vais partir du principe que j'y arrive. Je me mets là. Là, il peut marquer lui aussi. Non, je vais me mettre là pour zéro risque. Et toi. Toi, tu fais ça. Allez, un petit GFI sans relance là. Nickel, ça passe. Ça aussi, ça passe. On poursuit. Et une blessure sur la goule. Ça, c'est très très bon, ça. La blessure sur la goule, c'est muy bueno, hein, comme on dit. Et lui, ensuite, tac tac tac, il va venir par ici ou par là. La question, c'est où je mets lui, là. Je le mets ici, je pense. Je le mets ici pour bloquer la goule qui est là. Et peut-être me faire gagner un tour de plus, parce que lui, là, prochain tour, il va avancer là. Et donc moi, au tour d'après, je peux venir ici, je pense. Et ben, fin du tour. Donc, quoi qu'il arrive, il sera à moins 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous, on sera probablement à moins 5, donc un delta de 3. Mais si on a de la réussite, on peut être à un delta que d'un. À savoir, la réussite, c'est ces KO ne reviennent pas. Voire même ultra réussite, on peut être à égalité si le nôtre revient et pas les deux siens. Là, je pense que le mieux qu'il ait à faire, c'est blitzer lui. Il a deux relances. Ah, ok, il blitz avec la goule. Ok. Ah, du coup, on va pas pouvoir temporiser, je pense, au prochain tour. On va être obligé de marquer. Et derrière, il lui restera 4 tours pour marquer. Ah oui, ça grille une petite relance, là. Plus qu'une. 3, 4, 5, 6, 7, GFI, ouais. Sauf si... Oh, il y a un truc qui peut se jouer, là. Ah non, ça peut plus se jouer. Ah, puis il va faire... ah si, s'il fait le bloc là et qu'il push. Ah non, oui, s'il le met là... Ouais, non, s'il le met là, c'est foutu. Oh, je pense que t'inquiète, hein, il va pas bouger, lui. Hein. Ok. Oh, il aurait dû le mettre ici. Parce que là, je peux dodge et aller marquer sa goule. Ah, mais là, c'est tentant, là. Là, c'est vraiment tentant, là. Parce que je marque sa goule ici. Et le seul truc qu'il peut faire s'il veut blitz mon porteur de balle, c'est de passer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, en gros, il peut pas, quoi. Ou alors faire du 4 plus, 3 plus. Tout tacle. Et pour faire ça, moi j'ai besoin d'un 2 plus de plus. En vrai, vu la tournure du match, je pense que c'est rentable de faire ça. Ouais. Et là...
Ah non, parce qu'il peut passer là en fait. Je dis de la merde. Oui, bah c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, non, ça change pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. GFI. Bah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. GFI, GFI. Ouais, non, là, il peut pas. Donc, c'est pas si mal. Et ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI, GFI. Il peut faire ça. Oh bah je vais tenter un truc. Je vais tenter le blitz là. Je poursuis. Et je viens là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI, GFI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI, GFI. Et je prends le risque de me mettre là. Ça, c'est ultra ballsy, ça. Et puis, si tu trouves une solution, et bah félicitations à toi, bien sûr. Et dans le pire des cas, je dirais qu'on a un dodge à 3+ pour marquer. Avec esquive. Et là, faut juste espérer qu'il roule pas de pot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI. Parce que sinon, il va juste venir se mettre là, ça va être chiant. Bon, après, c'est risqué, hein, mais bon. J'avoue que j'ai pas confiance là en tout ça. Là. Ok, donc c'est lui qui blitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. GFI, GFI. Bah peut-être qu'il veut juste dodge et se mettre... non. Non, je sais pas. Non, il va peut-être juste faire le bloc. Ok, il fait le bloc. Il fait le bloc, c'est un push. Et derrière, il lui reste 3 tours. Sachant qu'il a qu'une seule goule, donc le jeu de passe, tout ça, c'est plus compliqué. Et il a un spectre qui est KO si jamais il revient pas. Mais bon, je pense que là, il est temps. Là, il est temps d'aller marquer. Et petit level up pour le coureur. Ok, ces deux KO sont revenus, et le mien aussi, donc c'est 100% de retour de KO, il est à moins 2, je suis à moins 4. C'est ok, je dirais. C'est ok. On va refaire ce setup là. Et il lui reste du coup 3 tours et une relance. Même s'il a en plus dextérité, enfin prise sûre là. Et s'il veut faire une passe ou une transmission, globalement, il a deux spectres, quoi. Donc il va falloir essayer de surveiller les spectres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il peut. Il peut en 3 tours. On va mettre au milieu. On peut espérer un blitz, hein, sinon. Et non. Et c'est quoi, arbitre officieux? C'est piétinement. Pour chaque manager, on ajoute le résultat d'un D6 à sa popularité, le manager avec le score le plus bas. On n'a pas vu. Bon, on s'en fout, de toute façon, ça va pas changer le... Bon, ça va pas changer... à la fin du match, je dirais. Ok, ça push. Ça protège. Ah non, on s'est fait expulser... Ah oui, d'accord, ça va complètement changer le truc, là. On s'est fait expulser le Wardancer tackle. Putain. Décision de l'arbitre, 1, éjecté. Ah oui, d'accord, parce qu'on a fait 1 en plus.
Très bien. Et ça expulse notre meilleur joueur. Mais l'avantage, c'est qu'au moins il est safe pour le prochain match. Il faut avoir des points positifs, mais par contre, ça... Ça va nous compliquer la tâche, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il va venir ici. Et là, en vrai, on va avoir du mal à défendre. Ok, ça tient. Est-ce qu'il poursuit ? Il poursuit, ok. Donc on pourra bloquer la momie pour libérer ce joueur. Avec un peu de réussite, ça peut le faire. Et là on rêve qu'il rate le ramassage, là. Eh ben non. Non, non, non. Est-ce que c'est pas le moment de faire un saut, là ? Est-ce que c'est pas le moment de faire un petit saut, là ? Ah, si je bloque lui, ça change quelque chose, je pense pas. Hein. On va le faire quand même. Hop, on va poursuivre. On va faire ça. On va faire... Ah, ça c'est un GFI ça. J'aurais bien fait un chain push pour libérer du monde, mais tant pis. On va faire comme ça, on va pas prendre trop de risques. Ok, toi tu viens là. Tu... Reste sur place. Ok, tu viens ici. Toi tu viens là. Toi tu viens ici. Ah oui, ici. Alors ici c'est bien, comme ça ça protège un peu l'arbre. Toi tu dodges et tu viens là. Ça passe. Ici même, je pense que c'est mieux. Très bien. Et donc on est à... Ouais, on est à moins 5. On est vraiment à moins 5 contre moins 2. Un delta de 3. Dommage. Ça sent quand même fortement le match nul, cette histoire. Faut espérer que le bloc échoue ici. Bah, de toute façon, il peut pas, il est obligé de rajouter un support. Support qui peut être ce joueur. Mais du coup, pareil, ça fait du coup un joueur de moins ici pour protéger la balle, donc je pense pas. Ça pourrait être ce joueur, mais j'imagine qu'il a quand même envie de le ramener par ici. Et au prochain tour, il faut espérer avoir un spot pour blitzer avec le danseur de guerre. Et donc il refait la même chose là, à se mettre collé à un joueur. Mais du coup il va faire quoi là? Ah, il va blitzer avec la momie. Mais du coup la balle elle sera exposée en fait. Là s'il passe pas l'armure, quoi qu'il arrive, j'ai un dé sur la balle. Bon bien sûr il passe l'armure du coup. C'était prévu, pardon, excusez-moi, j'ai pas anticipé ce... Cet aspect-là. Sachant qu'il pouvait faire exactement la même chose en mettant sa goule ici, quoi. Lui, il va le relever, le mettre... Oui, bah pourquoi fermer la cage, après tout. Après tout. Et là, on est déçu de plus avoir le tacle, hein, quand même. Parce que le tacleur a un dé, il aurait eu quand même de bonnes chances. Ah, dernière relance. Oh, c'est trop risqué d'utiliser ta dernière relance, là, je pense. Et ben on a un dé sur la balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là actuellement c'est un GFI, donc on va essayer de le push. Ah oui en fait. Je vais juste essayer de le push d'une case pour le forcer à faire 2 GFI. Ouais c'est pas ça. C'est pas fou ça je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est bien parce que du coup ça marque les deux là. Je pense que si, je vais juste le forcer à faire 2 GFI. Parce que de toute façon, je peux pas annuler les deux supports là. Donc le seul truc que je peux faire, c'est ça. Oh, la petite esquive ratée, là. Évidemment. Évidemment. Eh ben, c'est pas grave. On va mettre toi ici. Toi là. Ouais, c'est pas fou ça.
Sinon, toi ici finalement. Ici. Ouais, non, peut-être qu'ici c'est le mieux finalement. Toi là. Sauf que c'est ouvert par ici. Ouais, et puis on tente le bloc. Tente le bloc ici. Ouais. Bon, bah il va avoir des jets de dés à faire, mais ouais, il va pouvoir passer. Ouais, lui, en fait, j'aurais fallu que je le mette là. Ouais, je sais pas. C'est vrai que le peu de joueurs qu'on avait... Là, il blitz, il pose là. S'il le push ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI. Ouais, il a qu'un GFI à faire avec une relance, à faire un match nul, et puis voilà. Oh, ça c'est dommage, ça. Ah non, il n'est pas de bloqueur. Si, il est porteur de balle, quoi. Ouais. Bon, ça passe. Putain, il roule un pot en plus. Hein. Et c'est vrai que non, là, il y a un corps, là. Donc en fait, non, il a deux GFI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI, GFI. Ouais. De plus, de plus. Oh, le dernier va être tendu. Putain, il a réussi. Eh ben, GG, hein. On va tenter le one turn, mais sans relance, ça va être compliqué. Alors, un peu déçu de ce match, parce que... clairement, les 4-5 blessures sur les 6 premiers tours, ça nous aura quand même pas mal handicapé. On a réussi à marquer quand même sur son drive. Enfin, nous handicaper, puis le fait aussi de faire double 1 ici, là. Sur 2 tours de suite. Ouais. Donc, c'est quoi, ces mouvements 8, lui, là? Ouais. Ah, c'est vrai qu'ils ont plus ces mouvements 8 et ils ont plus sprint. Donc il faut le pousser de 3 cases, le boug. Et ça, c'est plus compliqué d'un coup. Alors, ça va être l'arbre qui blitz, qui pousse sur lui, qui pousse là. Je pense qu'il nous faut un push dès le début, mais est-ce qu'on a assez de joueurs pour ça? Lui ici. Salut Fouling, tu vas bien? Un setup comme ça, je dirais. Je pousse là sur lui, lui vient là. Ensuite la momie. Ah, ou alors, je pousse sur lui et lui vient là. Ça c'est mieux, ça. Ah oui, non, sauf que là, lui, il pourrait aller que là. Donc déjà, il faut ça plutôt. Pam, 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 pam. Ensuite, et sachant qu'on a personne pour récupérer la balle. Bon, on va tenter comme ça et puis on verra. Je viens de passer diamant avec mes nécros. Félicitations. Oh, le kick parfait là en... Ah. Je peux placer un joueur sous le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI, GFI. Et bien, je pense que ça va être lui. Hein. En espérant qu'il récupère. Into double GFI transmission. Ouais. Transmission. Donc tu viens ici et tu transmets. Est-ce que c'est la fin du match ou est-ce que ça marche? C'est la fin du match. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Match nul. Ouais, un peu déçu, mais bon. Avec autant de blessures, c'était compliqué de faire mieux. Mais c'était clairement, je pense, un match à notre portée. Du coup, niveau blessure, là. Rate le prochain match, ça c'est ok. Et toi, là. Blessure critique, bon, bah, toi tu es mort. Hein. Toi tu es mort, tu es mort. Hein. Merci pour ton sacrifice. Hop là. La passe était moins dangereuse. Ouais, mais j'avais besoin du joueur à cet endroit-là pour le chain push. Je pouvais pas faire de passe. Et niveau stats, c'était, j'avais plus de chances de réussir la transmission que la passe. Et à ce stade-là, je m'en fous de perdre un... De perdre un 3 quarts en soi. Vu que c'est la fin du match. Ok. Mais de toute façon, derrière, j'aurais pu avoir... Donc le premier... Il me fallait 3 pushes. Le premier, c'était faisable. Le deuxième aussi. Le premier, tac, tac, tac. Le deuxième...
Non, le deuxième était infaisable déjà, je crois. Parce qu'il nous manquait des joueurs. Enfin, ici, il fallait que je... Il aurait fallu, je pense, que je fasse au moins un ou deux, une ou deux esquives. Mais bon. Tant pis. Ça coûte combien? C'est 90, les receveurs? Est-ce qu'on s'achète une relance ou un receveur? Recrutement, je pense qu'on prend des relances, non? Ouais, on prend une relance. Deux relances, un apothicaire. Là, on commence à avoir une équipe un peu plus jouable, on va dire. Et pour YouTube, du coup, ce sera la fin de l'épisode des bisous.